tout le monde, c'est Alec, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. On se retrouve pour le tout premier épisode de Resident Evil 2 Remake. J'espère que vous êtes chaud, que vous êtes bien installé. On est parti pour une bonne grosse demi-heure ensemble. Comme d'habitude, allez vous chercher un petit truc à boostifier, un petit truc à bouer. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous dans l'ambiance. Et évidemment, je m'occupe du reste. Alors, donc on va tout simplement lancer la campagne. On va faire une nouvelle partie avec Leon S. Kennedy, forcément. Alors, je sais que je vous avais dit que je ferais probablement l'original, mais écoutez, j'ai le remake, donc autant le faire. Ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde, et probablement que plus tard, je ferai quand même l'original. Je te jure que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Oh merde! Personne. C'est bizarre. Hein? Et nous voilà aux commandes du petit Léon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on est tout simplement 2 mois juste après Resident Evil 1. Eh oh! Y'a quelqu'un? Donc on est 2 mois après les événements de Resident Evil 1, dans la ville de Raccoon City évidemment, et c'est le premier jour de Leon Scott Kennedy en tant que policier. Ça va? Bah écoute, il a pas l'air d'aller top quoi. Par là? Je vais revenir vous aider. Allez, bouge pas, j'y vais. Ce let's play risque d'être beaucoup plus simple que Resident Evil 0 parce que je le connais par cœur ce jeu. Arrête de bouger! Est-ce que tout va bien? Reculez, monsieur, je m'en occupe!
Eh ben il a la dalle le coco. Où je tire ? Bah on va tirer hein. 1, 2, encore. Ah ça c'était à côté. 3, 4, et il est tombé. Parfait. Alors, la petite clé à côté des culs. Hop. Alors, il a pas l'air de vouloir se relever. Ça c'est une bonne chose. Parce qu'ici, ce sont d'énormes sacs à PV. Il faut leur vider des chargeurs entiers pour les tuer, en général. Je n'ai pas la clé, je l'ai oubliée. Je l'ai pas prise. D'accord. Je m'en suis même pas rendu compte. Bon, j'avoue, j'ai fait exprès pour revoir les... Hein ? Je suis comme ça, moi. Bon. Hop. Cette fois, je l'ai. Ah, et cette fois il se relève, ok, mais je vais pas gâcher mes munitions, je vais juste ouvrir la porte. Et je sais comment utiliser les objets, tracasse coco. Hop, la clé maudite qui tourne dans le sens inverse, comme d'hab. Et on se casse de là, tout simplement. Hop là. On court, on court, on court. Tirez pas. Baisse-toi. Ça va ? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu. Suis-moi ! Bon ! Accroche-toi. J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, des flics ? Ouais, Léon Kennedy. Et toi ? Claire. Claire Redfield. T'es du coin ? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, bonne chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. On est donc accompagné de Claire, qui, vous l'avez compris, est la sœur de Chris Redfield. Et ça, c'est top. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, vous allez finir par vous y retrouver. De toute façon, ici sur la chaîne, si vous aimez bien, je ferai de toute façon tous les différents Resident Evil, donc vous saurez absolument tout de toute l'histoire. C'est toujours mieux comme ça. Étant donné qu'on ne sait toujours pas si Capcom, après maintenant le prochain jeu qu'il va faire, on ne sait toujours pas si ça va être le remake du 5, le remake de Code Veronica ou le remake du 1... Bah écoutez, moi de toute façon je vous propose tous les jeux, comme ça vous aurez l'histoire. Parce que le problème, s'ils font le remake du 5 maintenant, c'est qu'il y a plein de gens, les nouveaux fans, ils vont pas comprendre. Parce que le 5 c'est sur le conflit entre deux personnages, et la naissance de ce conflit est littéralement dans le tout premier Resident Evil. Donc ceux qui n'y ont pas joué vont rien comprendre si Capcom décide de faire ça. Mais bon, on verra bien, dans tous les cas je ferai absolument tout pour vous. Petite intro aux petits oignons. À tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher.
courir plutôt. Tu marques un point. Oh la vache! Ah! Léo, il faut que tu recules! Oh non! Oh merde. Claire, sors d'ici! Allez, vite! Je peux pas! Ok, on se casse de là. C'est l'apocalypse. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas bien, ben, on a joué à Resident Evil 4 ensemble. On contrôlait Leon. Plus tard, évidemment, après les incidents de Raccoon City. Et donc là, ben, pour ceux qui connaissent pas, vous allez pouvoir découvrir... Merde. C'est tout le monde. Ils sont tous transformés. Eh ouais, vous allez pouvoir découvrir les premiers pas de Leon Scott Kennedy dans ce monde plein de violence. Le voilà. Le commissariat. Et ouais. Et vous verrez quand je ferai l'original, ici ça a été vachement raccourci, on arrive au commissariat directement, alors que dans l'original il y avait quelques petits trucs à dépasser d'abord. Hop, il est pas passé loin celui-là. Nous voilà donc bloqués dans la propriété. RPD. Et nous voilà dans le hall d'entrée du commissariat. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi cette musique incroyable. Parce qu'évidemment, j'ai mis la musique originale et pas celle du remake. Écoutez ça. Elle me donne la chair de poule à chaque fois. C'est ma musique préférée dans ce jeu, c'est celle du hall d'entrée. Écoutez ça. Imbattable, hein, celle-là. Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Un spray de premier secours, parfait. Des munitions de pistolet. On va déposer les clés parce qu'on n'en a plus besoin. Ça, on va le mettre ici en bas à gauche. Est-ce que je peux combiner direct? Je peux pas? Combiner? Tu veux pas? Ah, mais je peux charger manuellement alors. Dommage qu'on puisse pas le faire dans le menu. C'était quand même pratique. Hop, voilà. 11 balles. On ira pas bien loin. Mais c'est ce qu'on a pour le moment de toute façon, donc pas trop le choix. RPD. Il y a forcément quelqu'un ici. C'est pas bon, ça. David! Marvin! Vous m'entendez? On a un moyen de sortir! Tout est là-dedans! Envoyez des renforts! Dans le couloir est! Il faut que j'aille l'aider. Très bien, dans le couloir est, on va y aller tout de suite. Pas besoin de sauvegarder maintenant. C'est par là-bas. On active ceci. Ça ne montera pas plus haut. On s'y aventure.
Alors je dis pas que la musique qu'ils ont mis pour, pour le remake est pas bien, hein, c'est chouette, ça a une ambiance. Mais je suis tellement accroché aux musiques de base. J'ai fait pareil pour le remake du 4, j'ai mis les vraies musiques. Ça c'est un truc, c'est obligatoire quoi. Bonjour. L'ambiance est top. Hein. Mais je suis content de pouvoir vous le proposer. Parce qu'en fait, j'enregistre avec l'option d'enregistrement sur la PS4. Et il n'y a pas si longtemps que ça, avant la sortie du remake du 4, en fait, Capcom interdisait d'enregistrer une partie. Voilà, c'était pas possible. Et quand ils ont sorti le 4, bah, ils ont changé d'avis. Et du coup, maintenant, c'est de nouveau possible. Parce que j'avais voulu vous le faire avant la sortie du 4, hein, pour que vous ayez l'histoire de Léon dans l'ordre. Mais Capcom ne le permettait pas. Et vu que je n'avais pas de boîtier d'acquisition assez performant, eh ben, je n'avais pas pu, malheureusement. Hop, encore un spray. Les chiottes qui coulent. Allez, on va aller sauver le bonhomme. Bon sang. Je vais vous aider! Aide-moi! Putain! Donnez votre Aide-moi main! Je vous tiens! Votre main, allez! Tenez-vous! J'espère que t'aimes les spaghettis, hein. C'est dégueulasse. Carnet d'un officier, très bien. On a des petits gribouillis, des petits plans, et ok, trois statues. Très bien. Oh! Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez. Hop. Ah là là, je vais essayer de pas me louper, ce serait bien. Ok, il tombe, je vais avancer. Hein. Il est certainement pas mort. Faudra sûrement le terminer plus tard, mais là, je ne fais que passer. Il faut que je retourne au hall d'entrée. Là, il y a des petits bonhommes. Merde, ils sont partout. Hop. C'est pratique, une balle pour les assommer comme ça, et puis après, on trace. On fait des économies comme ça. En sécurité, pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. Hey. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera toute crue si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses,
uniforme ou pas. Tu dois pas hésiter. Tu les tues. Ou tu cours. Compris ? Compris. C'est un brave gars celui-là. Bon, couteau de combat. Très bonne chose. Oui, on s'en équipe. L1, sortir le couteau. Les classiques, quoi, on connaît. Eh ben, mon coco, accroche-toi. Je me trompe de bouton, je voulais aller dans le menu. Je vais ranger ça comme ça. On va le mettre ça à fond, même si je vais charger direct. À mon avis, ça va tout... Hop, voilà, 12. Ok, donc mon chargeur peut accueillir 12 munitions. C'est bon à savoir. Et maintenant, grâce au couteau, on peut retirer le papier collant qui est ici. Alors que littéralement, on aurait pu le faire à la main, mais c'est pas grave, c'est Capcom. Pour ouvrir ceci. Voilà. C'est pas comme ça que j'imaginais le petit jour. Donc voilà, personne sait d'où ça vient. À ce moment-là, en tout cas, personne ne sait d'où ça vient. Comme je disais, ça se passe 2 mois après les événements du tout premier. Et on en saura plus sur l'histoire au fur et à mesure. Alors, on a récupéré une planche. Je vous verrai après à quoi ça servira. En même temps, je fais le jeu après tout le monde. Hein. Il est sorti quand même en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est peut-être 2017. Je sais plus, ça va tellement vite. Donc, vous connaissez sûrement tous très bien. Et si c'est pas le cas, je ne spoilerai pas. Je pense à tout le monde. Il est important de ne pas spoiler. Ni dans la vidéo, ni dans les commentaires, les petits loups, je vous fais confiance. Bonjour. Ah, pas l'air en forme celui-là. Aïe, 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 aïe. Brossez-vous bien les dents, hein, les petits loups. C'est quoi ? Et pas avec une brosse en fer comme ce monsieur. Ah, eh ben. Ok, je ne suis surpris qu'à moitié. Un trèfle. Parce qu'ici, les portes, elles s'ouvrent avec des clés. Allez, c'est pas comme dans le premier, c'était clé, armure, épée, bouclier et casque. Ici, c'est trèfle, cœur, carreau, pique. Voilà. On met les planches sur les fenêtres qui sont ouvertes. Parce qu'il y a des moments où il y a des petits loustiques qui vont pouvoir rentrer. Bah, regardez, justement. Ça, c'est une personne qui a envie de rentrer. Je pense pas qu'elle pètera la... Ah bah si. Bon, bah, elle l'a pété direct. J'aurais dû garder la planche pour là, peut-être. On verra. J'en trouverai peut-être une autre. Magnifique! J'ai quand même des coups critiques très chouettes là pour le moment. Après je suis en facile, oui je sais, je joue en facile pour que ce soit plus agréable tout simplement, autant pour moi que pour vous. Et puis ce jeu, je l'ai saigné, je l'ai déjà speedrunné, je l'ai déjà fait, enfin speedrunné, on s'entend hein, je suis pas un speedrunner, mais je l'ai déjà fait le plus court possible et c'était pas trop mal. Rapport d'événement, 25 septembre, le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. Très bien. C'est très intéressant de savoir ce qui s'est passé ici. Hein. 25 septembre, j'essaie de réfléchir, de savoir quel jour on est dans le jeu. On le saura peut-être plus tard. 25 septembre, Addendum. L'un des réfugiés nous a attaqué au milieu de la nuit, faisant 1 mort et 3 blessés, parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée. Nous pensons qu'il ne s'agit que d'une réaction au stress intense. Ouais, tu parles. 26 septembre, une foule a attaqué le commissariat, faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité, mais nous sommes cernés. Nous aurons du mal à sortir d'ici, nous ne serons peut-être pas en mesure de rétablir les communications et sommes donc coupés du reste du monde. 27 septembre, une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13h, 12 personnes sont décédées et il ne reste qu'une poignée de survivants. Tout sombre dans le chaos. David Ford. Eh ben ça craint tout ça, poulet.
Oui, donc je disais, ce jeu, je l'ai saigné. En difficile, le plan du commissariat, c'est cool. Donc je l'ai fait dans tous les modes de difficulté, le plus vite possible à chaque fois. Donc là, j'avais envie de le faire tranquillement. Donc oui, utiliser la carte, forcément, ça on connaît. On connaît. C'est quel bouton pour... Parce que là, il me l'a ouvert tout seul. Ça va, je me souviens. Perfect. C'est bien. J'ai même l'impression que quand je jouais, j'utilisais jamais la carte. C'était une catastrophe. Là, je vais pouvoir prendre mon temps. On va fouiller toutes les pièces. Je veux... Comme pour Resident Evil 1, que toutes les pièces soient fouillées. Toutes les pièces en bleu. Je vais essayer de faire un maximum de trophées encore comme d'habitude. Je vais me renseigner sur les trophées faciles à atteindre. Ici par exemple, je sais que derrière il y a des munitions. Voilà. Et si vous connaissez bien le jeu, n'hésitez pas, comme pour Resident Evil 1 et Resident Evil 0, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des petits conseils. Tant que ça ne spoile pas l'histoire, tout va bien. Hop. Le maxi poulet qui râlait parce que sa barre chocolatée n'est pas tombée de la machine. Y a rien à récupérer là-bas au bout? J'ai pas l'impression. Ok. Le bureau ouest. Pas besoin pour le moment. Alors ici, la salle des casiers, il manque... Il y a des choses qu'on ne peut pas ouvrir pour le moment, vous verrez pourquoi. Mais je pense qu'on peut en ouvrir quand même un ou deux. Vous voyez, il manque deux touches en fait. Il manque le 2 et le 3. Donc 104, on va essayer tout ça. Hein. Ok, je sais plus lesquels... Ok, 105 c'est non. 106. Parfait, ok. Ah, j'arrive pas à savoir ce que c'est, tiens. Je vois pas ce que c'est. J'irai le récupérer après. Et donc, 107. Je vais jusque 109 et puis j'arrête, hein, forcément, puisqu'on n'a pas... Hop. 108, c'est non. Ah, non. Back. 109. Parfait. Des munitions. Cool. Cool. Alors... le 106, qu'est-ce que c'était? Pellicule, ok, d'accord. Pellicule photo, forcément. Et ici, munitions. Parfait. On est large, hein. On est full. Là, ce sera pour plus tard. Oh, bah écoute, Coco. Je peux le faire. Voilà. Bien sûr que tu peux le faire, Léon. Courage à toi. Il fallait qu'une balle? Bah écoute, c'était efficace. Ok. Je pense pas avoir besoin d'aller là maintenant. Je dois d'abord avancer par là-bas. Ah, voilà une personne qui a vraiment très envie de rentrer. Et je vais évidemment pas lui tirer dessus parce que sinon ça cassera la vitre. Oh bah regardez, il y a une planche. Donc c'est ce que je fais en premier avant qu'il pète la vitre, même si je pense pas qu'il la pète maintenant. Hop, voilà, comme ça il ne pourra pas rentrer. Et le but est d'avoir un maximum de planches pour bloquer un maximum de fenêtres. Vous l'aurez compris, c'est évident. Alors ici on a une petite salle de sauvegarde. La musique des salles de sauvegarde aussi est très chouette. Ici c'est là qu'on met la pellicule. Et on a une photo commémorative. Voilà. On voit tout simplement une statue d'un roi avec un sceptre et un livre. Une plante rouge qu'on va combiner directement avec la verte, ça, il n'y a pas de secret, c'est comme dans les autres. Les pellicules contiennent des preuves, ne les laissez pas traîner. Voilà, ça c'est un petit message pour nous dire qu'on peut trouver des pellicules pour avoir des indices sur l'emplacement de certains trésors ou certains objets clés. Alors, le mélange, je l'ai rangé, je garde juste la verte sur moi, je pense qu'on peut ouvrir quelques casiers. Des munitions, comme si on n'en avait pas assez. Poudre noire, oui, ok. Parce qu'ici, dans ce jeu, on peut aussi, comme dans le 4, hein, le remake, on peut créer des munitions et créer d'autres choses aussi. Je ne sais plus exactement tout. Un petit papier. Vertu des plantes, oui, bon, ça, je le passe parce que ça, on connaît, c'est la même chose. C'est des plantes qui viennent de la montagne d'Arclay qu'on peut combiner. La plante verte, c'est pour soigner. La plante rouge associée à une verte, ça augmente l'effet de la verte. Et puis je sais plus s'il y a jaune ou bleu. Alors.
Hop. 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 Voilà. Il reviendra pas non plus celui-là. En tout cas, ça me fait vachement plaisir de rejouer à ce jeu. C'est vraiment top. Ok, on peut aller par là. Est-ce qu'on a des choses à récupérer ici? Oh bah magnifique, une plante rouge. Hop, on la combine direct. Commence déjà à stocker des soins, c'est bien. Alors ici, il manque quelque chose. Il y a de la fumée qui se barre partout. Qu'est-ce qu'on a là? Un coffre portatif, oui, je me souviens de ce truc-là. Ça cache quelque chose, donc on va ouvrir l'inventaire. Ok, ça nous explique comment examiner. On examine. Voilà, donc X. Là, c'est, allez, comment dire, un code en fait, c'est une suite. Il faut activer les boutons qui se suivent, les lumières qui se suivent là, comme ici. Et il faut retenir. Donc je vais me concentrer un peu, peut-être un petit peu moins parler, pour essayer de me souvenir de quel bouton allume quel... Ok, ça c'est pas mal. Ah! Attendez. Concentration. Et c'est seulement dans un sens, forcément, vous l'aurez compris. Ok. Oh, c'était pas ça. Ok. Quel enfer. Oh. J'essaie de voir et de retenir, hop, voilà, tout en bas, ok, plus que deux, hop, voilà. Parfait, et dedans, on a tout simplement une pièce de rechange, et vous reconnaissez la forme, c'est tout simplement une touche pour le clavier de la salle des casiers, voilà. Instruction du coffre portatif, bon voilà, ça c'est l'explication de ce que je viens de vous expliquer en gros, donc c'est pas très important. Donc on a une des deux pièces qu'on pourra décider de mettre en 2 ou en 3. Et comme on n'est pas dans la réalité et qu'on est dans un jeu Capcom, non, on ne peut pas utiliser la même touche pour activer les codes et puis changer de place. Sinon, ce serait trop facile. On a des codes à lettres, si je réfléchissais un peu, je pourrais me souvenir, je pense. Mais je vais le faire régulièrement, c'est-à-dire que je vais chercher les bouts de papier qui en parlent. Et si je trouve pas les papiers, voilà. En tout cas, ok, je l'avais presque oublié celui-là. C'est juste pour nous faire flipper, il est mouru. Donc voilà, j'essaierai de trouver tous les codes. De toute façon, on va absolument tout fouiller pour récupérer tous les objets, tous les codes, tous les papiers. Comme je le disais, pour avoir un maximum de trophées. Là, on a des munitions, parfait. Encore un casier verrouillé là-bas, je pense. Cette silhouette m'a fait flipper et elle me fait flipper à chaque fois alors que c'est la petite statue. Ça, pareil. J'adore les bruits d'ambiance. Et on a déjà notre première clé, la clé pique. Hop, qu'on va mettre ici. On n'a déjà plus beaucoup de place. On a moyen d'augmenter un peu la place de l'inventaire. On verra ça plus tard. Je vous montrerai. C'était quoi ça? On se le demande bien ce que c'était que ça. Une ville saloperie gluante et rampante. Aux survivants éventuels, considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont eu la malchance d'être en vie. Restez à l'affût de ces atrocités qui ont l'air d'avoir été écorchées vives. Les Lickers, ils sont complètement aveugles, mais ils se compensent grâce à leur ouïe très développée. D'accord. Tant que vous ne courez pas partout comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge, vous devriez vous en sortir avec un peu de chance. Quoi qu'il en soit, avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux. Bon, c'est pas que j'ai envie d'y aller, mais le devoir m'appelle et puis j'ai un copain à venger. David. D'accord, donc c'est probablement le David Ford qui avait laissé aussi le papier qu'on avait lu tout à l'heure. Et donc il nous a expliqué ce que c'était que cette petite bestiole qu'on a vu passer. Donc c'est un Lickers, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc effectivement, ils sont complètement aveugles, mais ils entendent très bien. Poudre noire, très bien. Encore une... Ah oui, mais j'ai plus de place. Tant pis, on repassera. On repassera. Je me fais avoir par des pièges à la con. C'est pas drôle.
Ah oui, bah voilà, regardez. Hop, une sacoche. Et ça, ça rajoute deux cases à notre inventaire. Donc ça, c'est très chouette. Griffonnage de quelqu'un, que ces enfoirés en costard aillent au diable, ils se sont débarrassés de moi après tout ce que j'ai fait pour eux. Puisque c'est comme ça, je vais m'amuser un peu avant la fin du monde. J'ai enfermé tous ces sales poulets en cage et posé un pain de C4. J'ai plus qu'à le faire sauter et adios les tocards. Ouh là là. Un petit fou là, honnêtement. Un pain de C4, ok. Mais c'est pas marrant si c'est trop rapide, alors je donnerai peut-être à ce taré de quoi cuiner. Ouais, je lui donnerai peut-être un jouet, je lui dirai tue ce mec et j'épargnerai les autres. Je me demande ce qu'il fera. Tu parles de justice et de fierté, mais combien de fois tu t'es opposé à moi, ton supérieur? Ouais, t'es un flic parfait, si parfait que tu devras mourir. C'est marrant, il me faut de la musique. D'accord, eh ben, on est tombé sur une lettre d'un bon gros taré. Ah, et c'est cet endroit-là, il y a un pain de C4, il ne l'a pas fait péter. Ah merde, quel enfer. Il les a fait s'entretuer. Et ils l'ont fait, hein. Ou alors c'est lui qui les a descendus, mais... Au secours, quoi. Quel enfer! Il y a tout qui part en couille comme ça, et forcément, hein, il y a toujours un salaud de psychopathe pour faire le mariole, hein. Ça, c'est inévitable. Et donc voilà, du coup, vu qu'on a deux places en plus, ben, je peux prendre ceci. Voilà. Et on peut partir par là. Léon, c'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Très bien. Je vais d'abord skater les marioles qu'il y a en bas et puis j'arrive, Marvin. Voilà, ça c'est fait. Je vais pas descendre par là. Je ne vais pas continuer par là non plus. Et on descend par l'escalier parce que là-bas, c'est pas pour le moment non plus. Ah ouais, il y en a encore là-bas en bas. J'ai récupéré un couteau, ça c'est une très bonne chose. Je pourrais le mettre dans le coffre. Bonjour. Ah, je me suis loupé. Ah, je me suis loupé. Ah et d'accord, j'en ai attiré un deuxième, tout va bien. Hop. Hop. Oup là. Heureusement qu'elle s'est trébuchée celle-là. Elle m'aurait bouffé. Eh ben voilà. Ça c'est fait. Puf 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 puf. Il y a l'air de plus avoir personne. Celui-là il ne se relèvera pas je pense. Je vais commencer par faire un truc qui nous servira plus tard, vous comprendrez. Je vais déplacer ces bibliothèques vers la droite. Voilà. Et il y a peut-être quelque chose à récupérer en plus. Des munitions, parfait. Et je pense que je dois faire pareil avec celle-là, la mettre à gauche. Oh, cette musique est trop cool. Hein. Il savait faire des musiques terrifiantes. Hein. Ah, ça se relève. Oh putain. Les petites réflexions de Léon, il me fait rire. Hop là, voilà. Ah oui, donc ça c'est le livre rouge qu'on avait vu sur la pellicule justement, mais là j'ai vraiment plus de place, donc on viendra le rechercher plus tard. C'est évidemment ici qu'on va commencer à utiliser notre première clé. Et ça c'est cool. Vers la droite, si je dis pas de bêtises, il y a des munitions. Exactement, je m'en souviens très bien. On est large, hein, niveau munitions, on est full. Il y a Marvin qui nous attend en bas. Ah, on a la première statue ici en haut, donc on va pouvoir regarder sur le carnet de notes de Elliot. Il nous avait donné normalement le code, donc c'est le lion. Je vais regarder ça tout de suite. Carnet d'un officier. Qu'est-ce sur la page suivante. Le lion, donc c'est lion, feuille, oiseau. D'accord, on va dire ça comme ça. Ou c'est du blé, c'est peut-être pas une feuille. Donc, lion. Il est là. La petite feuille. Voilà. Et l'oiseau. Voilà. Parfait. Je pense pas que j'ai de place pour prendre le... Ouais, j'ai pas de place, mais c'est pas grave, je viens le récupérer juste après. On va parler à Marvin, on fait de la place dans l'inventaire, et je viens rechercher ça, et je le place en bas.
Et puis on pourra s'arrêter pour aujourd'hui, à mon avis. Te voilà. Approche. Regarde. C'est elle. Elle s'en est sortie. Oh, tu la connais ? Ouais, elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Compris. Merci, lieutenant. Putain, il est pas en forme, hein, Coco. Enfin voilà, Claire arrive, donc on ira la chercher, probablement dans le prochain épisode, parce que sinon ça va commencer à être un petit peu long pour un premier épisode. On dépose ceci, on dépose les cartouches de pompe parce qu'on n'en a pas besoin, ça on garde, on dépose un couteau, on dépose ceci, et on est pas mal. On va trier ça comme ça, faire un peu de place. Et là on est pas mal du tout, on va pouvoir aller chercher ça. La petite pièce là-haut près de la statue. Et on va mettre ça directement près de Marvin. Vous allez voir, c'est le passage secret dont parle Elliot dans son carnet. Le regretté Elliot Spaghetti Bolo. Hop, et on met le médaillon lion. Et on ouvre une première partie. Donc Elliot avait raison. Tout à fait. On dirait, et le passage est encore fermé. Très très bien, le passage est encore fermé. Nous, ce qui compte pour le moment, c'est qu'on va faire notre première petite sauvegarde. Hop hop hop. Allez, si j'y arrive. J'espère, comme d'habitude, que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao tout le monde, à plus.